Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon, chers amis. Donc, alors, merci à toi Johan, donc, de m'avoir passé une nouvelle zone pour simplement faire des combats en RES. Donc apparemment ça peine, attention le nom est sympa déjà de base, Moonfail. Et c'est loin mon salaud. Bon, ça devrait le faire, t'as du bol. Quelques sauts, je pense, une dizaine. Voilà, une petite dizaine de sauts. On devrait peut-être pouvoir le faire en une ou deux recharges. Ça devrait se faire assez vite. Ce que je vais faire, chers amis, c'est que je vais vous faire l'ellipse pour tous ces sauts. Et je vous retrouve tout à l'heure. Heureux, chers amis. Donc, moi, il y a un petit truc qui me turlupine. Dans ce qui est marrant, dans turlupine, c'est qu'il y a pine. C'est qu'il n'y a rien dans la zone. J'ai une zone de conflit faible intensité. Forcément, j'ai d'autres petites choses autour, mais. Enfin, je pense que j'irai voir celle-ci. Mais on m'avait dit que c'était pas très loin, et ça, je trouve ça déjà assez loin de base. Il y a celle-ci, Bondarek là. Donc, ouais, je sais pas. Ça m'inquiète. J'espère que tu t'es pas foiré, Johan. Je t'ai répondu à ton com. J'espère que le temps que j'avais bouffé, t'auras répondu à mon com, du coup. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va se garer. Tranquillement. Landing gear deployed. On va aller voir ce qu'ils ont à vendre, après tout, pourquoi pas, hein. Ça peut être intéressant, sait-on jamais. Sait-on jamais. En douceur, Donc moi je vais faire une ellipse, le temps que j'avais bouffé, bien sûr, chers amis, ça compte pas. Hein. Hop. Faire le plein. Activité criminelle. Trafic spatial, alors attends. Ah bah merde, voilà. Je sors de prime. Donc il y a bel et bien quelque chose. Bel et bien quelque chose, parce qu'on a de la cartographie à vendre. Oui, 65 000. Hop, pourquoi pas. Intéressant. Tableau d'affichage, équipement, tiens, allons voir. Allons voir. J'ai dit qu'il me fallait un... De quoi attaquer, entre guillemets, de quoi interdire, voilà, chercher le terme. De quoi interdire un vaisseau, comme on dit. Capacité de soute actuelle 176, ça réduit à 160 si je veux mettre. Hop, où est-ce qu'ils vont être? Détecteur. Contrôleur. Intercepteur de réacteur FSD, voilà. Alors c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Le B sera mieux. Et le D sera toujours plus léger. Ouais, donc on vaut peut-être mieux le B en fait. Portée C. Ça peut être intéressant. On va prendre ça, c'est pas grave. Je sais pas. On reverra ça une prochaine fois, chers amis. Je vais vous laisser me conseiller à ce sujet là. Y a pas de nouveau véhicule. Alors, B de véhicule, ça c'est bon. Y a un scarab, d'accord, mais comment qu'on achète un scarab? Ah oui, c'est dans ravitaillement, non? Scarabée VRS, voilà. Ok, donc on a aucune nouveauté encore de ce côté-là. Donc à tout de suite, on va voir si Johan m'aura répondu, je l'espère en tout cas. Allez, à tout de suite les gens. Heureux, chers amis. Alors je remercie Johan parce qu'il a répondu très très vite. Hein. Il a répondu même plusieurs fois pendant le temps où j'ai été donc me restaurer. Donc il m'a indiqué autour de la planète numéro 3. Donc qui est quand même assez loin, hein, ce que je trouve. Hein, par comparé à ce que tu m'avais dit que c'était assez proche, hein, vilain.
Donc on va aller voir. On va aller voir. Il m'a donc dit, donc je suis aussi en cherchant un petit peu son travail, parce que bon voilà quoi, j'ai fait quand même des recherches, un minimum de recherches. J'ai donc pu m'apercevoir que cette zone est en fait une zone d'un groupe de joueurs francophones. Donc les Blackbird Squadron, si je me trompe pas. Donc voilà, il y a danger hein, potentiellement. Il y a un gros danger potentiel. Donc on verra bien. Là actuellement je suis en solo en ligne. Moi la plupart du temps je suis en solo en ligne pour éviter tous les problèmes au niveau des stations en fait. D'avoir à attendre qu'un joueur se décide ou non de se barrer. Voilà la principale raison pour laquelle je trouve que c'est mieux le solo en ligne. Hop. Voilà. Alors. Scan detected. Oh, et me scanne pas comme ça, toi, salopio. Hop. Frameshift drive charging. Et c'est parti. 4. Hop. 3. 2. Donc on va s'y diriger, on va y aller, hein. Pourquoi pas. On verra bien si, oui ou non, il y a des RES intéressants. J'ai fait le plein, oui, on va mettre un petit peu plus dans l'armement, un peu plus dans les protections, voilà. Voilà, on va se mettre comme ça, ça devrait être suffisant. Au niveau des modules... Le survolteur de bouclier est en place. Nous sommes donc prêts à toute éventualité. Moi, je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai rejoint Moonfail 3. Hop, à tout de suite. Chers amis, donc, alors, on a bel et bien un site d'extraction de ressources vers lequel on va se diriger dans la région. Hop. C'est parti. Nous sommes à quelques aisselles de ce site d'extraction réputé dangereux. Pourtant... Bon, non. Ok. On va bien voir. Hein. Ou classifié dangereux, classé dangereux. Alors, en douceur, hein. De toute façon, on va pas... Ça sert à rien de se presser si c'est pour se faire défoncer. Hein. Soyons honnêtes. Déploiement point d'ampleur, c'est pas cela. Dissipateur thermique, ça doit être cela. Module. D'armes. Apparemment, on est sur le 1, donc c'est bon. Je pense que ça veut dire qu'on est sur le 1. Ok, on y est presque. Mais il est de l'autre côté en fait. C'est ça que t'es en train de me dire, jeu de merde. C'est qu'il est de l'autre côté du champ d'astéroïdes. Pas. Bah merde. Putain, pourtant on en est loin. Wow, on se calme. Oh putain, c'est la destruction. Je redresse autant que je peux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il me semble à la fois loin et près, c'est drôle. Enfin non, c'est pas drôle en fait, justement. Ah non, ça me semble bon pourtant. Bizarre. Donc il est très particulier ce... T'as intérêt à avoir confiance dans le système. Ok, c'est parti. Verrouillage de destination activé, échec de la liaison système. Comme d'habitude, on est à 17 km, mais bien sûr. Mais bien sûr, mais mets-nous encore plus loin. Ok, bon, au moins on aura le temps de voir les choses arriver. Bon. Est-ce qu'il y a des ennemis? On se met sur cible, aucune cible à portée. J'ai pas assez pour booster. On est à 9 km, je vois quelqu'un sur mon radar. Qu'est-ce que c'est? Cobra MK3, Six-Tsu, Banik-Tsu. Recherché.
Scan detected. Ok. De se rapprocher un petit peu. On va pouvoir le faire de toute façon. Target shields offline. Ça sert à rien de tirer comme un bœuf. De toute façon, il va revenir. Ok. Ok. Mes tourelles vont la voir, je pense. Assez aisément d'ailleurs. J'étais pas loin. C'est pas mes tourelles qui l'ont. Bon, pourquoi pas. Hop. 26 000 crédits, c'est pas rentable. Fer de lance, c'est déjà beaucoup mieux. Mais souvent les fers de lance sont plutôt... Ah non, même pas. Ah, par contre il est en escadrille à 3. Je ne prendrai pas le risque. Là, chers amis, je ne prendrai pas le risque. Là, on a un mineur. Et là aussi. ASP scout peut-être, mais ça reste des... Qu'est-ce que... Ah, ils sont juste à côté. Ah, ils sont trois! Je vais me faire violenter! Ok. Je vais me faire violenter. Oh là! Écoute, si tu t'enfuis, je te laisserai peut-être la vie sauve. Peut-être. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre qui est apparu dans le coin? Pas vraiment. Bah écoutez, il se déplace assez vite. J'ai pas envie de prendre le risque. Je vais essayer d'opter pour un rendement plus important, on va dire. Ah, je vais prendre le risque. C'est pas grave. Putain, il s'enfuit ou quoi? Je sais pas, je les sens pas, je les sens pas, je les sens pas. Franchement, je les sens pas, chers amis. Je sais pas pourquoi. Mais je ne les sens pas. Hop, on va retourner par là-bas. L'instinct me dit non. L'instinct me dit non, du coup, je dis non au jeu. Quasi vierge, comme la plupart. Hop. ASP scout. Casier vierge. ASP explorer. Fédéral gunship. Ah. Là on atterrit plutôt dans mon domaine d'activité normalement. Scan detected. Ah. Hollow head. ASP explorer. Ok. Pourquoi pas. Detected. Elena, voyons. On ne scanne pas un ami. Ouf. Oh, je l'ai raté. Dommage.
encore un tir. Hop, mes tourelles qui font le ménage. Touché. Ah, raté. Bien joué, il m'a surpassé. C'est rien. Hop, mes tourelles vont le défoncer. Hop, c'est bon. Mais tu sais pas qui je suis? Non, je sais pas qui t'étais, excuse-moi. J'ai fait un petit peu au pif. Hein. Juste que j'étais un petit peu vexé de pas avoir eu ma dose. Caissement d'une prime, j'aurais peut-être dû le passer. Alors, toi, t'es forcément méchant, par contre, aussi. Hop. Comment c'est possible? Bah écoute, comme ça et comme ça. Voilà. Hop. Il y avait un manque d'efficacité avant, mais je crois que là c'est une belle vengeance. Back Explorer, je crois que c'est pas lui qui était tout gentil de la base. Si, il mine celui-là. Il est en train de miner celui-là. Oh merde, il est passé hors de portée. Depuis le moment où je le visais. Ah, il y a ces trois-là encore qui viennent me faire chier. Je les aime pas. Je veux pas le tenter ce coup-là. Capiche? ASP Explorer. Ah. Attendez. On a un client. Non, il fait du laser celui-là. Oh! Vous allez cesser de me les foutre devant le nez? Surtout que moi, on m'a dit que Python versus Fer de Lance, il y a plus de chances que ce soit le Fer de Lance qui gagne. Donc bon. Ok, il se barre. On va partir par là-bas. Je vois qu'il y a de la... Il y a du spot, donc techniquement... Coursier impérial. Ah! Ah, là il y a du fric. Il me rattrape en plus, hein. Alors. Scan detected. Orissus. Bah alors Orissus, qu'est-ce qui t'arrive mon pote? Il me fonce pas dedans. Touché. Oh, tu lances tes paillettes. Bah alors, où qu'il est coulé? C'est là, voilà, c'est pour ce genre de raison là qu'en fait que j'aimerais bien des fois avoir ce putain d'HTC Vive. Le casque VR de Valve, donc. Optimisé pour... Et Dangerous. Hop, voyons, ouais, je m'attendais à la plus balèze. Je les confonds tous un petit peu les... Ah. Ce côté-là, par contre, là, je vais prendre un... détecteur d'avis de recherche pour être sûr de pouvoir optimiser un petit peu. Hop. Mes revenus. Ok. Alors, en douceur, hop les. Target shields offline. Scan detected. Touché. Contact! Sauf que moi j'avais mon bouclier d'actif.
c'est là qu'est le problème pour lui en fait. Lui il ne l'avait pas. Hop. Touché. Bah alors. Touché. Ah, il lui reste 1%. Non. Faut pas qu'il s'enfuit avec son dernier pourcent. Non, c'est bon, il se prend des dégâts constants grâce aux tourelles. C'est quand même des dégâts, hein. Et les tourelles, vous allez finir par la voir ou pas? Parce que là, il me fait beaucoup de dégâts. Voilà, merci. Target destroyed. Dans le cadre de la recharge, je vais mettre un maximum de points. Ici, je vais pas désactiver le module. On va attendre de trouver une... un ennemi, disons, un peu plus intéressant. Un Eagle, ce sera pas intéressant. Des AXP Explorer non plus. Ah! Ça, c'est intéressant. Un copain. Alors, Oni Ryuken. Ça, c'est une grosse référence. Oh, il est gentil! Et il est spéminage, un python spéminage. What? C'est horreur. C'est haine. C'est haine du jeu, chers amis. Franchement. Cette haine du jeu. Bon. Et toi, mon ami? Est-ce que tu es quelqu'un qui rapporte un petit peu d'argent? Ah, hors de portée. Alors, retentons l'expérience, mais je pense que c'est un mineur. Voilà, c'est un mineur tout ce qu'il y a plus classique. On n'a pas d'autres vaisseaux en visuel. Alors, certes, je ne peux pas booster. Voilà. Apparemment, on a potentiellement quelque chose devant nous. Je pense qu'il va être sur le caillou. Un Eagle, me dis pas que t'es un Eagle minage, ça va pas le faire. Ah non, t'es pas un Eagle minage. Oh, je l'ai raté. Target shields offline. Ça l'a pas one shot, je suis vexé. J'avoue, je suis vexé. Bon, par contre, ça a pété son bouclier d'un seul coup. Bon, c'est presque du one shot. Transport de troupes de la Fédération, ça peut être sympa aussi. Morgan Pirate, avec un nom pareil, je suis désolé. Tu vas forcément y passer. Voilà, mais c'est attaqué quoi lui? Un adder. Recherché aussi, mais dis donc. Vous avez été très vilain. Vous méritez votre punition. Touché! Vous avez vu ça? Merde, j'ai plus rien dans les canons. Con. Alors. C'est bon. Il y avait mon pote tout à l'heure aussi. Target destroyed. Ah merde, il est en train de se faire péter aussi. Par un fer de lance. Recherché. Bah écoute, on y va. Peut-être pas dû booster cependant. Peut-être le payer. Ok. On verra bien. Target shields offline.
Putain, il est plus maniable. Tiens, bouffe. Ah, raté, je m'en doutais. J'aurais pas dû perdre mon temps sur un tir pareil. Hop. Ça, c'est bon. Et Morgan Pirate, tu es où, mon pote? Non, je ne te laisserai pas t'enfuir. Merde, j'ai boosté alors j'aurais pas dû. Essayer de se placer derrière lui. Hop. Pour profiter un maximum du boost. Et ça touche! Target shields offline. Bien joué. Il booste. Non, 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 bah tu m'étonnes. Si, si, si. Bon, je vais accélérer un petit coup. Je vais essayer de le rattraper. Hop. Wouhou! Si ça c'était pas beau, chers amis. Si ça c'était pas magnifique. Je sais pas quoi d'autre vous offrir. Quoi vous offrir d'autre plutôt, c'est plus français. Wouah! Quelle action, chers amis, quelle action! Par contre, c'est pas extrêmement rentable, y a pas plus de pitons que ça. Alors, Knibit. Toi, t'es pas un vilain. Bah oui, ça se sent, mon pote. Alors, alors. Marc, c'est très bien que t'en aies pas un non plus. Le transporté 6. J'en ai sonné rarement. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Par là, par contre, on en a deux. Ok, donc on a un ASP Explorer là-bas, en vierge. Aucun. Alors j'ai dû venir à un mauvais moment. Clairement. Il n'y a pas grand monde. Ok. Pourquoi pas. Alors, alors. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça en a... Ah non, c'est un que je ne connais pas. Si c'est un... Allez, donnez-moi des gens. De là, je vais baisser un petit peu ma vitesse. Je puisse me rendre un peu plus maniable. Y'a personne! Une nouvelle cible. Attendez. Python. Ah! Ah, ah, ah. Alan Mazurka. Vu que tu t'appelles Alan, t'es sans doute un méchant. Voilà. Je l'avais dit. Vous avez vu ça, chers amis? Je l'avais dit. Oh là, je crois qu'il m'a vu. Vu qu'il se dirige plus ou moins vers moi, je crois qu'il m'a vu. D'ailleurs, on va en profiter. Ça va être short. Hein. Scan detected. Ok. On s'est arrêté à 1 km pile, l'un de l'autre. Touché. Ok. Moi d'abord. Oh, je suis mauvais là. Touché. Bah alors. Non, j'aurais jamais qu'il a boosté. Touché. Hop. Under attack. Oui,
Vous avez bien marqué. Et l'attaque est déjà terminée, chers amis. Génial. Autre chose sous le nez. Ah, je me fais scan par quoi? Wow! De violence. Vu le bruit que ça a fait, c'était pas un gros vaisseau. John. Ce que j'ai dans ma soute. Ah, je m'en doutais, j'aurais dû d'abord. Under attack. Oui, bah écoute, under attack. Hop là, voilà, il a plus de bouclier le machin, je suis désolé. Ah putain, ils étaient deux. Trois. Quoi? Fuite. Shields offline. Bonne puissance dans les boosters. Integrity compromised. Taking damage. Non. Under attack. Ok, on se barre. Ils étaient trois. J'ai pas fait attention, j'ai attaqué comme un gros bourrin. Esquive ça pour voir, t'inquiète pas, je vais l'esquiver. Hein. Je suis déjà hors de ta portée. Hop, de toute façon on va aller voir ce que tout ça nous aura rapporté, chers amis. Nous sommes très exactement ici. On va donc aller à Nicolette Orbital. Frameshift drive charging. Direction par là. Ouais, il va falloir pousser vers le bas le commando joystick. Pour essayer de re-rentrer dans le RES. Hop, c'est parti. Wouh ! Bon. On aura fait quelques crédits, mais toi il n'est pas aussi rentable que ce que je l'aurais imaginé, toi. On verra bien. On verra bien. Il y a mon repas qui essaie de remonter, c'est génial. Alors. On y est presque. Nicolette Orbital. Alors. Parfait. On booste un petit coup. Hop. Et hop. Docking request. C'est parti. Granted. Je vois pas où est. Hop. Qu'est-ce que. D'accord. Ok. C'est très bizarre ce qui se passe. On s'en approche énormément, mais. Ok, c'était extrêmement bizarre. Je suis peut-être le seul à l'avoir trouvé bizarre, remarque. Hein. Service de spatioport. Voilà, bon. Contact. Encaissé presque 1 million de crédits, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. On va faire le plein au passage. On peut pas se ravitailler par contre en munitions. Donc ça c'est catastrophique. Donc on ira dans un autre système la prochaine fois, chers amis.
Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode donc. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, enfin trouver le lien dans la barrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yop.